Yo les gars, CNSQ, nouvelle petite vidéo défi. Alors évidemment, tous les défis sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et j'ai même créé une playlist Quête Fortnite chapitre 4. Donc vous pouvez trouver la playlist sur ma chaîne, normalement à droite dans les onglets si vous cherchez un petit peu. Et normalement même, il y a dans la peut-être une playlist quelque... Enfin, c'est compliqué à chercher les playlists, mais en tout cas, soit vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les vidéos. Ou sinon dans la playlist Quête chapitre 4. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est adouber et télécharger les fragments du message chiffré de paradigme sur des balises. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs, il faut en faire 3. Je vais vous montrer le meilleur chemin pour faire les 3 en une seule partie. Ok, hop, on va lancer. On va espérer ne pas mourir et croiser les doigts. Mais je vais vous montrer la meilleure technique. Hop. Évidemment, on n'oublie pas le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite. C'est totalement gratuit, ça me soutient énormément et ça évite de mettre le code créateur d'un gros youtubeur qui a déjà beaucoup d'abonnés. Moi, je suis un petit youtubeur, donc c'est parfait, ça me soutient. Et si vous voulez soutenir un autre petit youtubeur, il n'y a pas de problème. Mais juste ne soutenez pas un gros youtubeur, les gars. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Du coup, c'est parti, on lance la game. Je vous le rappelle, il n'y a pas de montage parce que la vidéo ne va pas durer non plus une heure. C'est une vidéo de quelques minutes. Et donc, quand il n'y a pas de montage, c'est plus simple pour vous. Imaginez que déjà ce défi-là, en plus, c'est un bon exemple parce que les autres défis, c'était en une seule fois, c'était un seul objectif. Là, on a 3 objectifs à faire, les gars. Donc, on doit récupérer 3 documents. Sauf que 3 documents, on pourrait le faire en plusieurs parties avec du montage. Je vous montre 3 emplacements. Sauf que là, non. Là, non, non, non. On va faire en une seule game. Eh oui. On espère ne pas mourir, évidemment. Mais on va le faire en une seule game. Et je vais vous montrer que c'est possible. Je vais vous montrer évidemment une technique. Vous ne la connaissez pas encore, mais je vais vous montrer une technique pour pas se faire tuer par quelqu'un. Parce que si vous courez, quelqu'un va peut-être vous tomber dessus. Donc bon, ça serait un peu triste. Donc le chemin, je vous le montre direct. Mais bon, restez sur la vidéo quand même. Le chemin qu'on va faire, ça va être celui-ci, regardez. On va aller déjà ici. Pourquoi ici? Parce que c'est le seul endroit qui n'est pas dans une ville. Donc il y a beaucoup moins de personnes pour vous tuer. Deuxièmement, on va aller ici. Et troisièmement, ici. Donc ça, c'est le chemin le plus court. Vous voyez que les autres, ils sont un peu plus loin. Donc là, c'est vraiment le chemin le plus optimal. Donc c'est parti. Hop. Bon, il est un peu loin du bus. J'ai pas eu de chance sur mon spawn, malheureusement. Cette vidéo va peut-être durer un peu plus longtemps que les autres, mais bon, c'est pas grave. Je vous rappelle évidemment que je suis sur mon compte secondaire, mais bon. Ça, c'est normal, c'est parce que j'ai déjà fait les défis sur mon compte principal. Hop. Et donc c'est parti. On saute. Donc j'ai déjà fait les défis sur mon compte principal, c'est pour ça les gars que je connais les emplacements. Vous doutez bien que si je connais la meilleure technique, c'est pas en jouant comme ça la première game. Hop. On a mis notre point, mais comme vous le voyez, les points, bon là il s'est bien mis. Mais des fois les points ils vont sous la map, donc n'hésitez pas à recliquer dessus parce que des fois c'est buggé. Je sais pas pourquoi ça fait ça, dites-moi en commentaire si ça vous le fait aussi. Des fois quand je mets des points, ils sont sous la map. Donc ça me met pas du tout l'endroit que je veux. C'est un peu dommage. Donc c'est parti. Hop. Donc là on peut voir sur la carte, regardez en haut à droite, vous voyez qu'il y a une sorte de carré losange qui est apparu sur mon écran. Voilà, on peut le voir ici. Et donc ça va beaucoup vous aider pour trouver les emplacements des défis. Hop. Et donc voilà la première balise. Hop, vous la voyez, elle est juste là. Hop, on interagit et ça nous fait 1 sur 3. On va pas perdre de temps. Hop, je vous remonte sur la carte où elle est. Voilà, juste là. Et il faut rentrer dans la grotte. Voilà, là je peux pas être plus précis les gars, franchement. Et donc la technique ultime, c'est prendre une voiture. Parce que en voiture, vous êtes plus immunisé. Hop, mauvais côté. En voiture, vous êtes plus immunisé. Vous allez peut-être vous dire, oh, je veux prendre la nouvelle moto. Non, la moto, tout le monde peut vous tirer dessus. Alors qu'en voiture, t'es tranquille. Bon là, j'ai pas la voiture la plus rapide, mais c'est pas grave. Au moins, on est immunisé. Si vous trouvez du shield, n'hésitez pas à le boire. Ça vous fera survivre un peu plus longtemps. C'est toujours cool. Et donc voilà ma technique ultime. Il y en a qui vont se dire, ah, la technique, elle est pourrie. Franchement, non, ça va, les gars. C'est une bonne technique. Ça évite d'y aller à pied, hein. Parce qu'il y en a qui n'auraient même pas pensé. Mais comme ça, au moins, je suis protégé. C'est parti pour la deuxième. On va essayer de pas se fail. C'est comme je vous l'ai dit, on va essayer de le faire en une partie. Ce qui est quand même très dur, hein, entre nous. Et donc voilà le deuxième. Hop, donc vous voyez, regardez, il est juste là. Et vous voyez sur la carte un petit losange à chaque fois. Donc voilà, je vous remontre sur la carte. Hop, on se dirige directement au dernier.
Donc regardez, il est bien ici, sur la petite colline, à côté de la maison. Là, je peux pas être plus précis, les gars. J'ai essayé de vous montrer le mieux possible, mais faites une pause, regardez bien. Et puis je vous rappelle, il y a un petit losange sur la carte qui vous indique l'endroit. Dès que vous arrivez à côté. Et puis regardez bien le point que j'ai mis. Je peux pas rester non plus 10 ans à côté, parce que si je reste 10 ans à côté du truc, il y a un ennemi qui va me tuer. D'ailleurs, j'ai vu un ennemi à gauche. Donc faut faire attention. Hop, on peut voir en haut à gauche qu'il y a deux petites quêtes qui sont en train de se faire. Évidemment, on ne veut pas que ces quêtes se fassent. Parce qu'on les fera plus tard. Non, on va essayer de pas les faire. Parce que là, notre but, c'est faire la quête qu'il y a marquée dans le titre de la vidéo. Hop, on avance, on avance. J'y vais à pied, c'est très dangereux. Je n'aurais jamais dû. Je n'aurais jamais dû, les gars. Je n'aurais jamais dû. Peut-être, le joueur français. Eh oui! Hop, on a réussi, comme vous le voyez. L'étape 2 sur 5 en une seule game. On va quitter la partie tout de suite. Hop. Je vais essayer de vous faire une vidéo très très courte. Donc là, 6 minutes, c'est parfait. Vous avez vu qu'en 6 minutes, j'ai réussi à prendre les 3. Donc c'est parfait. Donc on peut voir défi validé. Évidemment, les gars, on n'oublie pas le code créateur NCU dans la boutique Fortnite pour me soutenir. Le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires. Sur ce, ciao !